Votre Majesté. Pierre Roederer, procureur syndic du département. Je suis venu m'assurer de la sécurité de Votre Majesté. C'est admirable que tant de gens se soucient de ma sécurité. La nuit dernière, c'était M. Manda, le commandant de la garde nationale, qui m'a promis que ma garde serait renforcée. Sire, M. Manda est mort. Mort ? Massacré devant l'hôtel de ville, sur ordre de la commune insurrectionnelle mise en place par Danton. Alors que dois-je faire, monsieur ? Ma garde suisse n'est pas suffisante pour défendre le palais. Si j'étais à la place de votre majesté... Oui, monsieur, si vous étiez à ma place. J'irais passer en revue la garde nationale du palais. Je la crois fidèle et loyale. C'est notre dernière chance. Je vais donc jouer mon trône sur cette chance. Le roi ! Détour ! Les hommes sont en position. Merci, mes amis. Merci. Sire, ces messieurs sont membres du directoire du département. La Constitution se doit d'assurer la liberté de tous les Français. Je vois qu'elle ne s'applique pas à moi. Eh bien, monsieur Roederer, qu'est-ce que nous devons faire maintenant ? L'Assemblée nationale siège en permanence. Nous sommes d'avis que votre majesté s'y réfugie avec la famille royale, pendant qu'il en est encore temps. Non, monsieur. Ici, nous sommes défendus. Pourquoi partir ? Madame, tout Paris marche sur les Tuileries. Les fédérés marseillais et bretons sont prêts à tout. L'arme en poing ! Voyez-vous-même, madame. Madame, comment résister ? Eh bien, marchons. Venez, madame. Ouvrez les portes. Le roi et sa famille se rendent à l'Assemblée nationale. Je vous demande, au nom de l'Assemblée, de respecter leur personne. Thank you.
Messieurs. Messieurs. Je viens ici pour éviter un grand crime. Je pense que je ne peux être en sécurité que parmi vous. Sire, vous pouvez compter sur la fermeté de l'Assemblée nationale. Voilà, je conclue cette leçon en insistant sur quelques points importants. Vous l'avez compris, cette monarchie constitutionnelle a duré très peu de temps. Elle a duré de 1789 à 1792, 3 ans seulement. J'insiste bien sûr sur cet autre événement très important de la Révolution française qui a eu lieu en 1792, le 10 août 1792, une deuxième révolution qui entraîne la fin de la monarchie. Et j'aimerais attirer votre attention sur un point important dans le déclenchement de cette deuxième révolution. Vous voyez que ce qui a déclenché cette deuxième révolution, c'est le début de la guerre avec l'Autriche et la Prusse. Sans cette entrée en guerre contre l'Autriche et la Prusse, il n'y aurait peut-être pas eu cette deuxième révolution. La monarchie constitutionnelle se serait peut-être maintenue. Mais donc, vous voyez que la guerre joue un rôle majeur dans la précipitation de ce deuxième événement révolutionnaire. Voilà, je conclus ma leçon du jour avec un petit résumé à recopier dans votre cahier. Vous pourrez donc appuyer sur pause dans un instant pour recopier votre résumé. Et je précise que j'ajoute un tout petit travail également à la fin de ce résumé. Vous devez chercher le dessin d'un sans-culotte sur Internet et reproduire le dessin de ce sans-culotte dans votre cahier. Attention, je ne veux pas de documents imprimés ou scannés. J'aimerais que ce soit vraiment votre propre dessin du sans-culotte parisien qui a participé à cette deuxième révolution. Je vous dis au revoir et à bientôt pour le prochain cours sur la toute première République française.